légendaire de l'éternel. Légendaire MC. Comment I lift your name on higher, Lord. Your name on higher, Lord. I lift your name on higher, Lord. Ha, 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 ha. Oh, des pièges sur mon parcours. À la rescousse, c'est le rédempteur qui accourt. Et tant de tentations pernicieuses. Man, si mon cœur est rouge, c'est que les volontés sont vicieuses. Je coupe le beat en 13. Puis impossible de compter le nombre d'appels au répentir qui me vitalise. Autant de sensations, mais sans ça chaud. Je ressens que ça chauffe quand le gospel sort son show. Le sang s'échauffe, puis le cœur bouillonne à l'appel du créateur. Faut rendre compte pour nos erreurs. Un chant R.E.K.M. étendu large pour mes poèmes. Si tu te demandes qui je loue, lève la tête et contemple l'ouvrage de ses mains. Mais moi je le sais bien, le temps de l'église, c'est le millénaire béni dans mes lignes. À notre tour de régner, les suppôts veulent saigner. Quiconque proclame le credo du 3x5. Et si t'es antéchrist, moi je suis Christophile, je peux me permettre. Autour de moi y'a trop d'hypocrites. Ça me prendra une ligne, mais faut le dire. Faut réduire le silence qui pèse, faut le dire. Parole y'a trop de crainte, je suis balafré de mes luttes. Et si je dois y rester, je porte fièrement la bannière. Laisse le rythme au railleur. Il commence à me connaître, à m'entendre ici et ailleurs. Et d'ailleurs, je tiendrai ferme quoi qu'il advienne. Je craindrai rien quand ils surviennent. Ouais ouais, dans les épreuves, moi je me construis. Aussi dur soit-elle, adorateur jusqu'au martyr. Si tu peux danser, je suis gagnant. Lyrique c'est mélodie, c'est la combinaison gagnante. Les mots sont trop faibles, le message trop fort. Et si la tempête l'emporte, c'est que ma foi est peu fiable. Impossible de plaire sans, je suis rassasié de vos femmes. La seule lecture qui me soulage est la Bible. Et la Bible, c'est les profondeurs de l'abîme qui m'agressent. Mais sans cesse, les chiens aboient, la caravane passe. Je marche tranquille, danser sur une île. Je vois déjà à l'ombre de ses ailes tendre réconfort dans des psaumes à la gloire du courage. Je répète que notre refuge se trouve sur un autre rivage. Assez dit que ceux qui supportent lèvent les mains. Que ceux du King lèvent les mains. Je suis lassé de pleurer pour ceux des miens qui ne voudront rien entendre. L'esprit me rappelle que c'est rien. Le combat n'est pas vain, la récompense m'attend. Je dédie aux filleuls la rime de ne jamais baisser les bras. Les vrais s'y reconnaissent, le temps m'oppresse, mais pas d'excès de zèle. Faut compter le temps jusqu'à la seconde S. Ouais, si ça t'enchante, prends ces mots comme un testament. Quand t'en as marre de m'entendre invoquer Dieu, rappelle-toi que son action commence là où ma force s'arrête. Ouais, j'ai pas la prétention de tout changer, non, non. Mais s'il y a des hommes nobles qui triment pour une vie plus saine, alors ils peuvent compter sur mon soutien. Hey yo ma mère, yo ma mère, yo ma mère. Oh, big up à ceux que je porte dans le cœur. Je vous citerai pas, vous êtes trop nombreux. Mais je peux pas le faire sans ma petite Kyrielle. Bienvenue dans le monde chérie. Première leçon, retiens bien ça. God bless à toutes les MIFA. God bless, what up, what up. Et si tu te retrouves pas, sache que ce n'est que la première leçon. Vite guerre ma mène, vite guerre ma mène, vite guerre ma mène. Ya ya, I lift my load on high. I lift my load on high. Quelqu'un de plus grand que le temple. Le salut de Dieu est-il dans les églises ou dans les mosquées ou dans les temples? Le Créateur dit, j'ai créé toute âme pour qu'elle vive éternellement, et si j'avais voulu qu'elle me rencontre dans les églises, j'aurais dit, venez dans les églises, ou dans les mosquées, ou dans les temples, mais j'ai dit, venez à moi. 1. Le salut des hommes. Le salut des hommes s'appelle la religion. Il est disponible dans les églises, les mosquées et les temples des hommes. Il est adaptable et personnalisable au goût de chacun. C'est pourquoi il existe autant de religions et de dénominations de chaque religion. Pour ceux qui se prétendent sans religion, les hommes ont prévu de les faire venir dans les centres commerciaux, qui s'appellent des temples du commerce, et d'en faire des adeptes de la société de consommation, en leur faisant croire que si tu consommes, alors tu vivras. 2. Le salut de Dieu. Le salut de Dieu est forcément proposé par Dieu lui-même, et il se trouve là où Dieu se trouve, au ciel. Si le ciel était un supermarché, il suffirait de s'y rendre, afin de chercher à acquérir le salut. Mais nous avons deux problèmes. Premièrement, nous n'avons aucun moyen de nous rendre dans ce lieu, le ciel. Et deuxièmement, nous n'avons aucune monnaie qui permette d'acquérir un produit tel que le salut. 3. Dieu dit, venez à moi. Dieu n'est pas un vendeur de magasins, mais il est le créateur de ce monde. Et en tant que créateur, auteur et père de toute la création, il a lui-même prévu le salut de toute âme qu'il a créée. À chaque fois que Dieu parle, il confirme sa parole par sa puissance, c'est-à-dire par des miracles, qu'il est le seul à pouvoir accomplir. De cette manière, chacun est capable de distinguer la parole de Dieu de la parole des hommes, afin
afin d'obéir à la parole de Dieu et non à celle des hommes. Toi qui désires sauver ton âme et entrer au ciel de Dieu, attends-toi, espère, sa visitation, et lorsque Dieu aura accompagné sa parole de sa puissance, alors réponds à cet appel. Donne-lui ta vie, laisse-toi racheter, et il te confirmera lui-même que tu es devenu son enfant en manifestant dans ta vie sa puissance. Dieu est un mystère, et je suis le seul à détenir la clé de toute chose, dit le Seigneur. Celui qui est insoumis à Dieu ne parviendra jamais à aucune connaissance, vérité, mais celui qui acceptera la soumission recevra la connaissance et la vérité, et il rentrera chez lui au ciel, au jour que Dieu a fixé. C'est pourquoi j'ai dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ecclésiaste 7, verset 14, « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour de l'adversité, prends-y garde, car Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, afin que l'être humain ne trouve rien à redire après lui. » Jean 10, verset 34, Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et l'Écriture ne peut être renversée, pourquoi dites-vous que je blasphème? Moi que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, et que vous ne vouliez pas me croire, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et que vous croyiez que le Père est en moi et moi en lui. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je vous le dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Jean 7, verset 37, Matthieu 12, verset 6. Amen. Les volontés sont vicieuses. Je coupe le vite en 13. Puis impossible de compter le nombre d'appels aux réponses. Quelqu'un de plus grand que le temple. Le salut de Dieu est-il dans les églises ou dans les mosquées ou dans les temples? Ou dans les mosquées ou dans les temples? Pour rendre compte pour nos erreurs. Un chant R.E.Q.M. étendu. Le Créateur dit, j'ai créé toute âme pour qu'elle vive éternellement. Et si j'avais voulu qu'elle me rencontre dans les églises, j'aurais dit, venez dans les églises, ou dans les mosquées, ou dans les temples. Mais j'ai dit, venez à moi. Le salut des hommes s'appelle la religion. Il est disponible dans les églises, les mosquées et les temples des hommes, dans les centres commerciaux, qui s'appellent les temples du commerce, en leur faisant croire que si tu consommes, alors tu vivras. Si tu consommes, alors tu vivras. Le salut de Dieu est forcément proposé par Dieu lui-même. Il se trouve là où Dieu se trouve, au ciel Dieu se trouve, au ciel Dieu dit, venez à moi. Dieu dit, toi qui désires sauver ton âme et entrer au ciel de Dieu, réponds à cet appel. Dieu, donne-lui ta vie, laisse-toi racheter, et il te confirmera lui-même que tu es devenu son enfant en manifestant dans ta vie sa puissance. Qui supporte lève les mains, que ceux du King lève les mains. Je suis lassé de pleurer pour ceux des miens qui ne voudront rien entendre. L'esprit me rappelle que c'est rien. Le combat n'est pas vain, la récompense m'attend. Je dédie aux filleuls la rime de ne jamais baisser les bras. Les vrais s'y reconnaissent, le temps m'oppresse, mais pas d'excès de zèle. Faut compter le temps jusqu'à la seconde S. Ouais, si ça t'enchante, prends ces mots comme un testament. Celui qui est insoumis à Dieu ne parviendra jamais à aucune connaissance, vérité, mais celui qui acceptera la soumission recevra la connaissance et la vérité, et il rentrera chez lui au ciel au jour que Dieu a fixé. Au jour que Dieu a fixé. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je vous le dis qu'il y a ici quelqu'un de plus grand que le temple. Plus grand que le temple. I lift my Lord on high. I lift my Lord on high. Légendaire de l'éternel.